Bonjour. Voilà. Alors là, il me l'a fait manquer. Qu'est-ce que tu fais là, ta caméra là? Je fais un reportage sur la pêche dans Briançonnet. Ouais, oh, bah, la pêche sur Briançonnet, voilà. Jeanne, tu pourrais pas mieux tomber. Moi, on m'appelle le rascasse. Et vous mettez quoi comme appât? Que appât? De quoi tu parles? Vous mettez quoi au bout de l'hameçon? Ah, qu'est-ce qu'il bouffe le poisson, tu veux dire? Ah, ben bah, regarde. C'est pas compliqué, un poisson, c'est con comme un balai. Alors moi, j'y donne à bouffer sa mère, et puis c'est tout. Voilà. Tu mets ça au bout. Regarde. Je vais te montrer. Mais bon, ça tu répètes pas, hein, parce que je voudrais pas que tout le monde y sache mon alchimie. Hein, que après, c'est les autres qui vont attraper vos poissons, et Jean-Luc, après on dira, il reste plus rien. Jean-Luc il sait plus pêcher, tu vois. Regarde, tu mets ça. Regarde. Et ouais, tu dis, un poisson, c'est complètement con, tu vois. Voilà. C'est con comme un balai, se bouffe entre eux. Ça te viendrait toi à l'idée de bouffer ta mère, toi? Ah ben voilà. Regarde. Regarde, qu'est-ce que je t'avais dit? T'as vu? Croustilles battent, ils se bouffent entre eux, c'est con, là. Regarde ça. Ah putain, ils tirent là. Qu'est-ce que je t'avais dit? C'est une technique à la pêche, tu vois? Regarde. Regarde là, tu vois, regarde, te montre un coup, regarde. Là, je vais le ferrer, regarde. Il part dessous, tac, dans la gueule, regarde. Et je te le remonte à moi. Allez, tu t'accroches, hein. Tu t'accroches, mon salaud. Hop, un coup de fer, regarde. Ah putain, ça a cassé. Voilà. Ta caméra au mieux là, regarde, là, m'a fait casser ma ligne, voilà. Ah putain, voilà, faut changer la ligne maintenant, voilà. Allez, ben zou, jaune, viens, on va changer la ligne, je te paye le coup. Allez, zou, viens. Tiens, regarde, jaune. Il y a des trucs où t'es sûr que ça mord toujours au moins, tu vois. Regarde. Oh putain, va bien. Regarde là. Tu vois? Qu'est-ce que tu veux te casser la tête, toi? Regarde. Regarde, jaune. T'es pas bien, là, toi, là? Regarde, tous les soirs, regarde ça. La petite bise, le coucher de soleil. Il n'y a plus un bout de courant, là. T'es bien comme tout, là. Tous les soirs, moi, je viens là, regarde. Pas un casse-couille. T'es bien comme tout. Pas un dorifort, surtout ça. C'est quoi un dorifort? Ok, un dorifort, parce que c'est un dorifort, toi. Bah non. Eh, ce putain de vacancier là, qui vient de te casser les couilles. C'est parisien là, c'est lyonnais, tout. On y va, nous, chez eux? Hein? On y va, nous, chez eux? Alors, ça vient là. Avec les rafts, les kayaks, les speeds là, je sais pas quoi là. Ils te viennent tous au mieux là, te fait partir le poisson. Alors, on se fait déjà assez caguer là pour le sortir, ce putain de poisson là, qui est con comme un balai là, hein? On se fait assez caguer, et avec leur connerie, le poisson est tout parti en moins, et nous on est marron, voilà. Toujours les mêmes qui se font baiser, voilà. Un coup, non? Non, ça va, merci. Bon, mais je finis alors, hein. Et Jean-Luc, elles sont dans quel état, les rivières? Ici? C'est dégueulasse, les gens ils respectent rien, tu vois pas? Ils te jettent tout au milieu, là. Toutes les mères, remarque, nous, on n'est pas trop emmerdé de ce côté-là parce que ça descend tout à Marseille. Tu vois, la décrue, ça descend tout en bas et c'est eux qui se prennent dans la merde. C'est comme, bon, on s'en fout, chez eux, c'est dégueulasse, hein, de toute façon. Un peu plus ou un peu moins, hein. Allez, où jeune, nous on y va. Oh, tu n'as pas filmé ça, hein. Attention, hein. Non, non, non. Qu'après, on va dire que c'est nous qu'on salit les rivières alors que c'est tous ces cons de dorifort là-haut. Ah jeune, là j'ai changé ma ligne, regarde ça. Je ne serai plus emmerdé avec ça, regarde. Voilà, le truc c'est que je vais te montrer une autre technique. C'est la technique dite du semi-émergé. Alors tu progresses à l'intérieur même du courant pour faire qu'un avec l'élément et le poisson et la vie aquatique. Regarde. Alors, tu te mets là. Oh, trop bas dans la, comme trop sport là-haut. Pas les loin, hein.
qu'est-ce qu'ils ont ces putains de poissons là-haut? Tête de focaille ce soir là, oh. On est connus qu'on passait pour un fifre, moi. Ah ça. Bon ben ils font la grève. Voilà, t'as compris jeune? Quand ça mord pas, faut pas insister comme ça. C'est à cause des doryphores. Allez raft, voilà. On va passer. On va passer. Dieu, je vais te montrer une autre technique de pêche façon Jean-Luc, bouge pas. Oh, qu'est-ce que vous faites? Vous pêchez là-bas? Vas-y, on va se dire, là. Ah. Ah, mais il faut pas rester là parce que là ça va faire du bruit, hein. C'est moi qui te le dis, hein. Tu ne te rends pas compte. Pourquoi ça va faire du bruit, Jean-Luc? Je t'ai dit qu'on allait changer de technique, John. Je n'ai pas dit, regarde. La pêche façon Jean-Luc. Quoi pas ça, hein? Quoi pas, John? C'est quoi? Comment ça, c'est quoi ça? Ça, c'est la dynamite que je fais moi-même. Ça. Parce que j'ai mon beau-frère. Tu sais, mon beau-frère, il travaille au stock de l'armée là-bas à Saint-Martin-de-Carrière. Tu vois? Toutes les années, il me sortait un tonneau de poudre. Tu vois? Bon, ça, c'est des choses qu'on fait entre nous, hein, faut pas trop répéter, hein, parce que c'est quand même pas légal, hein, faut quand même pas déconner. Alors, bon, moi, il me ramène un carton, un tonneau de poudre, tu vois, puis moi, je me fais ma petite alchimie, hein, bon, que je dirais pas, hein, parce qu'il y a tellement de terroristes, hein, de nos jours, donc, tu vois, et ça me sort une dynamite de qualité supérieure. Tu vois, quand même, parce que c'est la même poudre qu'ils utilisent en Afghanistan, en Irak, là-bas, chez les papous, là-bas, là. C'est tout la même. Alors, tu vois, je vais te montrer et tu verras qu'elle est efficace. Bouge pas. Regarde le coup, jeune, regarde. Escape-toi, putain! Alors Jean-Luc? Oh Jeanne! La pêche à la dynamite, qu'est-ce que ça donnait? Ah bah impeccable, tu te fais péter le truc là, ils sont tous remontés à la surface et tout là. C'est même comme un con, j'ai oublié Puisette, moi, complètement un con. Alors tu rentres bredouille alors? Bredouille de quoi Jeanne? Qu'est-ce que je t'ai dit? La pêche, c'est une technique, regarde Jeanne!